Bien, en fait, le sujet de mon dernier livre, Hector veut changer de vie, c'est un peu le désir de changer de vie qui est très répandu aujourd'hui, et en particulier lors de la crise du milieu de vie. Et mon personnage Hector, qui est un psychiatre, qui est un peu mon double, même si maintenant il est plus jeune que moi, il constate une véritable épidémie que j'ai constatée aussi. Du fait que les gens souhaitent changer de vie, ils ont envie de changer de vie, et en particulier dans la crise du milieu de vie, qui est ce moment de la vie où on se met à penser au temps qui reste. C'est-à-dire, tant qu'on est jeune, on voit son futur infini, et puis il y a un âge de la vie où on se dit, ben non, le futur n'est pas infini, il me reste un certain temps pour faire ce que j'ai envie vraiment de faire. Et j'ai vu ça chez beaucoup de mes patients, j'ai vu ça dans mon entourage. Et cette fameuse crise du milieu de vie, elle toucherait à peu près 10%, enfin des gens vraiment la connaîtraient vraiment, ce qui fait pas mal de monde avec leur entourage. Mais sur ce sujet un peu sérieux, j'ai voulu écrire, comme précédemment, un conte un peu distrayant. Je dirais que celui-là, c'est un peu une comédie. Enfin, si j'osais citer un inspirateur, ça serait un peu Woody Allen, puisque mon personnage est à Paris. Il est enfermé dans son bureau de psychiatre, et justement, il a 50 ans, ça commence à lui peser, ses enfants sont grands, et ils se disent que je vais passer le reste de ma vie dans mon bureau. Et puis il voit des patients qui ont voilà, la quarantaine, qui sont fatigués par leur métier, des enseignants qui se disent, mais finalement, est-ce que je vais continuer ça jusqu'au bout? Des hommes qui travaillent dans la banque et qui en ont assez, enfin des femmes cadres excédées par leur chef et leur mari. Et il va les aider à considérer leur désir de changement de vie. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans les magazines, c'est très valorisé. Il y a comme une sorte de changement de vie, c'est une sorte d'injonction, c'est changer de vie. Ben, si vous n'êtes pas heureux, changez de vie. Et on peut presque, je dirais, vous rendre coupable en vous disant, bah, attendez, si vous ne changez pas de vie, c'est que vous êtes un peu faible ou un peu empoté. Changer de vie, c'est bien, changer de vie, c'est fun, dirait-on. Et alors, mon personnage et moi-même, nous sommes plus prudents et nous disons, bien, oui, si vous avez envie de changer de vie, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans votre vie, mais c'est un peu comme un divorce. Je veux dire, si vous n'entendez pas très bien avec votre conjoint, est-ce qu'il faut vraiment divorcer? Non, il y a peut-être moyen d'arranger les choses, de les voir différemment, d'améliorer un peu votre connaissance de vous-même, votre connaissance des autres, pour vivre mieux. Mais parfois, il faut changer de vie. Et donc, certains d'ailleurs des personnages font le saut. Voilà, ça m'a intéressé de montrer cette envie qui travaille de plus en plus dans nos contemporains. Puisque maintenant on est passé un peu d'une morale de devoir, enfin je veux dire depuis la Deuxième Guerre mondiale, où il fallait au contraire se résigner, suivre son devoir, et maintenant au contraire on est passé dans une morale de réalisation personnelle, de bonheur, d'hédonisme, donc il faut être tout ce qu'on peut être, et si votre vie ne vous convient pas, eh bien on peut être encouragé, y compris d'ailleurs par les magazines ou par des livres de conseils, à changer de vie. Mais bon, c'est un sujet qui peut être un peu douloureux, hein, puisque même pour l'entourage, quand quelqu'un a cette crise du milieu de vie, il peut être assez difficile à vivre. Et donc, j'ai aussi voulu écrire quelque chose de distrayant et d'un peu drôle, enfin, un peu une comédie, j'allais dire une comédie avec un petit fond de sérieux quand même. Mais j'ai voulu que ce soit un livre assez léger, tout en étant inspiré, bien sûr, par mon métier, par la psychologie. Donc voilà, j'espère que ça amusera les lecteurs autant que je me suis distrait et amusé à l'écrire.